Rien ne se cache en Russie. Moscou demande l'extradition du chef des services secrets ukrainiens en Russie. En d'autres termes, en français léger, Moscou, la Russie, demande et exige le transfert du chef des services secrets ukrainiens d'aller en Russie. Oui, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est ça, nous allons en parler ici, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Vous vous rappelez ce qui s'était passé sur le pont de la Crimée? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé sur le Crocus City Hall à Moscou City, dans cette salle de concert de rock qui a fait aujourd'hui plus de 140 personnes qui sont parties à jamais? Vous vous rappelez de tout ce qu'il y a eu, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles? Après ce qui s'est passé sur Moscou City Hall, on a pris, Moscou a dû mettre main sur le groupe de 11, que j'appelle toujours le groupe de 11, mais parmi ce groupe de 11, il y a des quatre responsables qui, ici, avaient dit qu'ils ont un coordonnateur, et le coordonnateur fut pris par la Russie de Vladimir Poutine. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le coordonnateur est en train de parler. Bravo! Le coordonnateur est en train de parler. Oui, chères dames, c'est une très belle nouvelle. On vous avait dit, je vous avais dit, que ces gens vont parler. Ils vont parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui se passe dans le noir? Mais tenez-vous tranquille, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et surtout partagez-la au maximum. C'est une très bonne nouvelle. Partagez-moi cette vidéo au maximum, chères dames. Chers messieurs, chères demoiselles, pourquoi c'est lorsqu'on a pris, on a mis main sur le groupe de 11 qui était commettre l'action sur Moscou City, dans cette salle de concert, pourquoi c'est après avoir pris ce coordonnateur qui attendait ce groupe de 11 de l'autre côté de la frontière de l'Ukraine pour les faciliter ici la tâche et aller récupérer leur paye, pourquoi c'est après qu'on a pris ce monsieur de coordonnateur de ce groupe de 11 que Moscou demande et Moscou réclame, en d'autres termes, le transfert du chef des services secrets ukrainiens d'aller à Moscou et il l'exige. Avant de continuer, chères dames, je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence parce que nous allons entrer en profondeur. Ah oui, on va entrer en profondeur. Les nouvelles sont bonnes. On va partir en profondeur, on va savoir ce qui se cache. Partagez au maximum, mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Et surtout, n'hésitez pas de pousser au maximum de cœur. Mettez les cœurs, je vous prie, je vous en prie. Mettez les cœurs et partagez au maximum. Et les commentaires, faites quelque chose en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Ceux qui ne connaissent pas lire ou écrire, mettez les cœurs en commentaire et vous publiez. Faites les étoiles même en commentaire, vous publiez. C'est quelque chose. Et allez dans les zones en commentaire, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube en commentaire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, bonjour et bonsoir de vos positions géographiques. Les nouvelles sont tellement bonnes, je suis très fier, je suis très content et je suis très heureux ce soir. Ah oui, parce que ces nouvelles que je vais vous relayer tout à l'heure, non, continuez de partager encore au maximum. Kiev doit extrader son propre chef. Kiev doit extrader son propre chef des services secrets en Russie. Il doit lui-même transférer son service secret, son chef de service secret en Russie. C'est Moscou qui le demande. Voilà. Il continue en disant, les services secrets ukrainiens ont réagi en qualifiant les demandes russes de particulières cyniques venant d'un pays terreau-terreau. Ils appellent la Russie d'un pays terreau-terreau, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais on va savoir qui est le vrai terreau-terreau. Allons-y. C'est ici et nulle part ailleurs. Partagez au maximum. La Russie a annoncé dimanche, donc aujourd'hui dimanche, la Russie a annoncé dimanche avoir demandé à l'Ukraine l'extradition, d'extrader le chef des services secrets ukrainiens et d'autres personnes qui, selon elle, sont impliquées dans les actions terreau-terreau. Vous comprenez ça? Qui, selon la Russie, ces gens sont impliqués dans les services, les actions terreau-terreau. Sur le sol,
sur son sol, autant pour moi. Kiev a aussitôt rejeté cette demande et jugé sans valeur. Donc, Kiev dit que cette demande n'a pas de valeur. Tôt ou tard, tu vas envoyer ce monsieur. Et je vais vous dire comment Kiev va envoyer ce monsieur tôt ou tard. Vous comprenez? Il va envoyer. Je connais la Russie, je connais les Russes. Je vais vous dire tout à l'heure dans cette vidéoconférence. Et juger ses valeurs est cynique, oui. Le ministre russe des Affaires étrangères a dit dans un communiqué avoir demandé aux autorités ukrainiennes d'arrêter et d'extrader immédiatement le chef du SBU, Vassil Malyuk, et d'autres personnes en invoquant deux conventions internationales contre le terreau. Vous savez, la Russie elle-même a sa propre CPI, sa Cour pénale internationale. La Russie elle-même possède sa propre Cour pénale internationale. Donc s'il faut qu'on te prenne, monte, tu descends. Ils vont te prendre, peu importe le temps que ça mettra. Ils vont te prendre. Vous comprenez? Les Occidentaux ont créé leur part. Vladimir Poutine a créé sa part. Oui. Donc, dès qu'il te cherche dans le monde, il n'a pas besoin de passer par la CPI de l'Occident parce qu'il sait comment ça se passe là-bas. Il sait que c'est ceux-là qui sont contre les Occidentaux qui partent là-bas, mais les alliés de l'Occident ne partent pas là-bas. Il sait. C'est pourquoi M. Poutine a mis sur pied sa propre CPI. Et c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Donc, selon la diplomatie russe, Malyuk aurait reconnu avoir organisé ils ont utilisé un terme, l'action du pont de Crimée en octobre 2022. On avait fait une vidéoconférence là-dessus concernant le pont de Crimée. Oui, ce pont qui avait été, par Luka. Et a révélé, donc, M. Malyuk a révélé des détails sur l'organisation d'autres actions. Terreau en fédération de Russie. La partie russe exige que le régime de Kiev cesse immédiatement tout soutien aux activités terreau, extrade les responsables et indemnise les victimes pour les dommages causés, ajoute le communiqué. Il n'est pas précisé comment la Russie a transmis cette demande. Kiev ayant rompu ses relations diplomatiques avec Moscou peu après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, le SBU les a qualifiés de sans valeur et cyniques. Les déclarations sur le terreau sont particulièrement cyniques venant d'un pays terreau, a-t-il déclaré. C'est Kiev qui le déclare. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, il faut qu'on entre en profondeur. C'est pourquoi je suis là. Partager au maximum. C'est pourquoi l'état d'urgence est là. C'est comme je vous le disais. Le coordonnateur, ce coordonnateur qu'on a pris, vous comprenez? Parce que ce groupe de 11 n'avait pas assez d'informations. Ce groupe de 11 avait des informations justes entre eux et le coordonnateur. Vous comprenez? Le coordonnateur est celui-là qui était même chargé sur le pont de la Crimée. Il était chargé des actions là-bas. Et ce coordonnateur a qui à sa tête? Il y a d'autres hommes. Ce sont eux que la Russie demande. Et ce qui veut dire, ce coordonnateur a parlé. Oui, il a révélé des secrets. La Russie n'a pas dit qui aurait dû raconter cela. Mais on sait tous, le coordonnateur a été pris, ça fait 2 jours. On sait tous qu'il a parlé. Et comme il a parlé, il n'a pas dit que c'est ce monsieur qui est à l'auteur de cette action qui s'est passée à Moscou. Vous comprenez? Mais la Russie connaît déjà. Et on ne veut pas dévoiler que c'est ce monsieur qui avait parlé. La Russie connaît que le chef du service de renseignement, le chef du service secret ukrainien connaît quelque chose dedans. Parce qu'il a été dévoilé par le coordonnateur du groupe de 11. Vous comprenez? Et c'est lui maintenant qu'on cherche. Donc, ce qui veut dire, toute action de terreau qui ont été commises sur Moscou, c'est ce chef des services secrets ukrainiens
qui connaît quelque chose. C'est lui la pièce maîtresse qui travaille directement, qui traite directement avec le plafond, qui est Volo Volo Zelens Zelens. C'est de ça qu'il est question. Et Volo Volo Zelens Zelens traite directement avec ses alliés. Oui, il travaille directement avec ses alliés. Donc, ça se passe comme ça. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il est question dans cette vidéoconférence. C'est pourquoi même la Russie demande ce monsieur. Et il n'est pas seul, il y a encore d'autres. On n'a pas tout cité. On vous avait dit que la chaîne est longue. Cette chaîne va... Vous savez, lorsque un bateau navigue à mer, lorsque ce bateau coule en mer, il coule avec tout le monde. Ce bateau coule avec tout le personnel qu'il y a dedans. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce groupe de 11 a tiré le coordonnateur. Le coordonnateur va maintenant chercher à prendre l'autre. Mais secrètement, vous comprenez? Parce que si on dit à ce monsieur que bon voilà, il a été dévoilé ici, il va chercher à peut-être courir partout dans le monde, à se cacher, à se protéger, pour qu'on doit le protéger de part et d'autre. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que ça arrive. C'est lorsque ça serait là-bas qu'on va voir vraiment les vraies traces. Si le coordonnateur n'a pas éclairci sur l'action qui a été commise à Moscou, mais au moins ce coordonnateur a eu les informations de l'action de la Crimée venant par les services secrets de renseignement ukrainiens. Vous comprenez? Donc, le coordonnateur a vendu la mèche. Chères dames, c'est ça les analyses. C'est ça les décortiquages. Donc, je vous prie au maximum de partager. Je vous prie de partager cette vidéo partout à travers le monde. C'est très important. Partagez. Il faut que le monde comprenne ce qui se passe présentement. Ne gardez pas ça pour vous. Ne gardez pas ça pour vous. Partagez-moi cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Allez dans les zones en commentaire. Faites des commentaires. Laissez-moi des saluts. Bonjour, comment tu vas? Et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur les pouces bleus. Poussez au maximum les bleus, poussez au maximum les cœurs pour protéger cette vidéoconférence. Venez sur la zone de partage, versez cette vidéo partout à travers le monde. Et retournez dans notre zone de commentaires. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Je vous remercie. À tout à l'heure.